c'était les années 68. Hein. Et moi, j'étais dans un groupe d'extrême-gauche, qui était très, très important au niveau national. Et on sortait régulièrement un journal, tous les jours, qui avait clairement, au-delà des financements que les militants il allait trouver, il avait besoin toujours d'argent. Et moi, j'étais chargé de contacter les peintres plus importants en ce moment en Italie, que c'était tout de gauche, Guttuso, Vespignani, Turcato, tous les peintres plus importants, pour avoir des œuvres gratuitement qu'on revendait pour financer le journal. Après, quand mon expérience s'est terminée, parce que ça a commencé les années très tragiques comme ça, et les mouvements s'est dissolu pour éviter des collusions avec l'extrémisme armé, moi j'ai ouvert cette galerie. Au même temps, je m'étais diplômé sans rien faire de mon diplôme. Mais il ne faut pas oublier qu'on avait Pise à côté. Ah oui. Et Pise, c'était une ville universitaire à ce moment-là très de gauche, et avec les premières occupations d'université en Italie, ils ont commencé à Pise. Et en effet, le mouvement qui s'appelait Lotta Continua s'est né à Pisa. Après, il est devenu au niveau national, avec des liens très forts avec la Fiat, la Pirelli, les grandes industries. Mais l'explosion initiale, ça a été à Pisa. Et après, j'ai ouvert cette petite galerie dans ma ville, qui est une ville de 70 000 habitants. Et un peu tous me regardaient comme un fou, parce que ce n'était pas ma ville tellement de haut niveau culturel. Et j'ai eu de la chance, dans le sens que peut-être que c'était l'envie que j'avais de faire des choses comme ça. Après 2 ans que j'avais ouvert la galerie, la mairie de ma ville m'a chargé de faire des expos des peintres nationaux dans une villa qu'il avait sur la plage à 3 km de ma ville, que c'était en français, c'est l'équivalent de l'office de tourisme, là c'est l'azienda di promozione turistica. Et j'ai commencé à faire des expos toujours plus importants, parce que c'était des peintres que j'avais connus au moment de mon engagement politique. Et alors, c'était facile à demander pour la mairie, parce qu'en plus, il y avait les partenariats de la région toscane, comme ça. Et c'est là que j'ai commencé après à faire des expos de Morandi, de Modigliani, de Fontana, de Burri, de tous les peintres. Parce que je faisais des expos en même temps, je faisais une expo publique très importante, et en même temps, dans ma galerie, je faisais des expos, par exemple, si c'était une expo de huiles sur toile dans l'espace public, dans ma galerie, je faisais des expos des peintures sur papier ou des choses comme ça. Et après ça s'est développé dans le sens que des autres mairies, des autres régions, la région Alto Adige par exemple, la mairie de Bologne, plusieurs mairies m'ont demandé, je continue avec ma galerie, mais en même temps, la chose qui me prenait plus de temps, c'était un peu les expositions que je faisais pour les institutions publiques. Je me suis toujours occupé des jeunes aussi. En même temps que je faisais dans ma galerie, ou dans
dans l'espace public, je faisais des expos des maîtres reconnus. Je faisais aussi, je cherchais, par exemple, les peintres duquel je parlais avant, Piero Mosti, c'était c'est moi que je l'ai découvert, c'est 30 ans et plus, jusqu'au début de ma carrière. Et c'est un peintre totalement inconnu. En plus, il s'est saoulé. Vraiment, c'était une chose. Il avait dans une cave chez lui, il travaillait là-bas, sale comme tout. Et grâce à un cher ami critique qui est mort et que, auquel moi je pense, Piercarlo Santini, je ne sais pas si tu l'as entendu. Bon, c'était le responsable du centre Raghianti à Lucca. Et en effet, je dois, je ne dis pas les 100%, mais les 90% à lui pour tout ça qu'il m'a pris. Et c'est lui qui m'avait indiqué, il m'avait dit, va voir les choses qu'il fait ce peintre, parce que ça vaut la peine. Et en effet, quand je suis rentré dans, on l'appelle atelier, je suis resté comme ça. Et je lui proposais un contrat. J'ai dit, c'est moi que je m'occupe de toi, tu arrêtes de boire. On cherche un atelier comme il faut. Et en effet, c'est un peintre que toute la critique, par exemple, quand j'ai commencé à travailler avec lui, faire des expos, des catalogues et tout ça, toute la critique plus importante italienne à laquelle j'ai proposé les peintres pour écrire des textes, des préfaces pour les catalogues ou des articles de presse, il me disait tout de suite oui. Et en effet, je l'ai exposé à Arco Madrid, à la FIAC à Paris, je l'ai exposé à Los Angeles, à Miami, je l'ai exposé à Rome, à Milan. Et comme lui, je m'intéresse par exemple beaucoup au travail de Serge, mais il y a plusieurs. Samedi, je vais faire un contrat avec une jeune peintre française, abstraite, parce que pour moi, ce n'est pas important les figuratifs ou l'art abstraite. Il faut que je sente quelque chose et je vois de la qualité. Après, c'est la qualité qui compte. Et il faut que je sente. Moi, je n'arriverai jamais à vendre un tableau que je n'aime pas. Je ne garderai non plus dans ma galerie, mais aussi si par hasard il va arriver dans ma galerie, je n'arriverai jamais à le vendre, parce que je n'arrive pas à proposer à quelqu'un une chose que moi je n'aime pas. Et ça, ça a été une méthode constante de ma vie. Je parle pas mal le français, non? Moi, je pense une chose, que c'est en effet un moment un peu très plate, et, à mon avis, et ça c'est mon explication. Les plus grands artistes, ils sont arrivés toujours après des événements tragiques. Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale. Dans des moments de calme plate, comme il y a en ce moment, des politiques aussi, parce que ça dépend aussi de ça, qu'il n'y a pas, comment on peut dire, l'impulsion. Oui, exactement. C'est très difficile qu'un artiste, il y a des cas naturellement. Hein. L'autre soir, j'ai regardé sur Arte, il y avait un reportage sur un artiste berlinois, que c'est extraordinaire, mais c'est déjà un peintre déjà consacré parce qu'il expose à New York, c'est magnifique, c'est un peintre vraiment, à mon avis, extraordinaire. Mais, et il est jeune encore, mais à mon avis, c'est des cas plutôt isolés.
Je parle pour, surtout pour l'Italie parce que je connais mieux. Par exemple, tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale, au niveau de littérature, de poésie, d'art figuratif, d'art contemporain, c'est sorti tous les mieux. Et après, après les années 70, il y a eu une chute incroyable. C'est quand les regards sur le monde, il te prend directement que tout. Par exemple, on prend Picasso, par exemple. Picasso, le meilleur tableau de sa vie, il l'a fait dans les années, dans la Première Guerre mondiale. Mais c'est seulement un exemple. J'ai vu vraiment que les meilleurs peintres italiens, qui sont dans les livres d'histoire italiens, mais qui sont aussi dans les musées, Fontana, par exemple, les meilleurs tableaux, il a fait dans les années directement, tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale. Et Fontana, c'est un peintre qui est dans tous les musées du monde. C'est un peintre qui, un tableau à lui, à Sotheby à Londres, il est arrivé à 13 millions d'euros. Un tableau historique, mais il est arrivé à 13 millions d'euros. Et comme Fontana, beaucoup d'autres peintres. Et quand il n'y a pas de tension particulière qui te prend direct, parce que c'est vrai, bon, il y a la guerre, il y a encore l'Irak, il y a l'Afghanistan, il y a l'Afrique, il y a beaucoup de choses qui Palestine, c'est important aussi ça. Il y a eu le Kosovo. Mais c'est des choses que tu les regardes avec un regard loin. Aussi, si pour ta façon d'être, pour tes idées politiques, pour beaucoup de choses, ton regard, il est très attentif. Mais c'est quelque chose qui ne te prend pas directement. Parce que c'est quelque chose qui est loin. Quand la guerre, c'est chez toi, et tu dois l'affronter chaque jour, et tu sors, et toi, la paix et la reconstruction et tout ça, c'est alors que ça sort les émotions plus importantes, les émotions plus fortes. Un des premiers ateliers que j'ai eu l'opportunité de visiter et de rentrer. Je trouve que l'atelier d'un peintre, dans le silence, ça dégage quelque chose de magique et important. Et j'étais vraiment très contente d'avoir connu ton atelier. De là, j'ai dit peut-être c'est aussi intéressant de voir le regard qu'ils ont eu d'autres personnes sur les ateliers de deux autres peintres. C'est un petit entretien qui a écrit Giorgio Messori. Giorgio Messori, c'est un écrivain et journaliste et qui a fait donc cet écrit avec Luigi Ghirri. Luigi Ghirri, c'était un photographe qui maintenant est décédé. Et ils ont donné leur point de vue sur la peinture de Morandi. Juste peut-être pour vous situer qui était Luigi Ghirri. Luigi Ghirri, décédé prématurément en février 92, avait radicalement transformé la photographie italienne des années 70 par ses images d'abord,
ses prises de position et enfin l'influence qu'il eut après des intellectuels et artistes de son pays. En 1989, il passa plusieurs jours dans l'atelier de Pierre Morin, du peintre Morandi, et dont l'œuvre avec celle de Chirico marque l'histoire de la peinture italienne. Ce livre, préfacé par Giorgio Messori, est donc la rencontre fraternelle de deux visions qui, avec grande sérénité, rendent aux choses sans importance leur dignité à travers les forces de la lumière et de la composition. Je vous prends juste quelques petits extraits parce que c'est un petit peu long. Est-ce que tu peux le lire en italien ? Si vous le souhaitez, oui. Ah oui, c'est mieux. Hein. Et après, peut-être... Même si on ne comprend pas tout... Et tout le traduci. Hein? Après, tu fais quelques traductions. Et après, une petite traduction parce qu'il dit des choses très, très, très importantes et ce serait dommage d'y passer à côté. Surtout si le texte n'est pas très long. Non, c'est juste de petits extraits. Voilà. Quando quest'inverno ho visitato una mostra fotografica di Ugo Mulas a Milano, mi ha colpito il suo ritratto di Giorgio Morandi. Era infatti uno dei pochi pittori, quasi l'unico che non fosse all'opera o in posa nel suo atelier. Oppure accanto a un quadro. A prima vista non c'era niente che potesse evocare un'attività artistica e certo quell'immagine non era la più appariscente in mezzo a tanto fervore creativo proclamato esplicitamente dagli artisti pop americani o dall'ormai famosa sequenza fotografica del taglio della tela di Lucio Fontana. Nell'immagine di Mulas, Morandi è ritratto di profilo, con gli occhiali sollevati sulla fronte e l'aria di qualcuno che sta osservando o ascoltando qualcosa, cioè in un atteggiamento attento, ricettivo, senza alcunché di attivo, creativo. Ma questa inattività non è la sola differenza che lo distingueva dagli altri. Les œuvres de Giorgio Morandi expriment la volonté d'un artiste qui fait le choix de l'exercice constant du travail dans le but de pénétrer la réalité intérieure des choses. Le silence dont Morandi a voulu entourer sa vie est celui du regard contemplatif qui témoigne de l'apparition du monde et de son organisation dans un espace visible prenant forme sous nos yeux. Quand je suis rentrée dans l'appartement de la rue Fondazza, où Morandi a vécu la plus grande partie de sa vie, j'ai d'abord eu l'impression de respirer l'air d'une autre époque. Sans doute peut-on attribuer cette impression à une sorte de gêne et à la crainte de profaner une intimité que Morandi a toujours su préserver de son vivant. Puis, à mesure que je me sentais davantage en confiance, l'appartement m'a semblé enveloppé d'une atmosphère familière que je pouvais presque reconnaître et qui rendait possible une remémoration plus secrète. Le malaise de me sentir chez quelqu'un s'était alors dissipé. Cesare Brandi a décrit ainsi l'appartement de la rue Fondazza, où il allait souvent. Dans cet immeuble de location, tout est modeste, mais tout est propre. Tout brille. De cette brillance qui a une histoire, comme la bonne éducation, une histoire d'attention et de renoncement. Cette histoire d'attention et de renoncement, signe de sobriété et d'un profond respect pour les choses, est encore perceptible, bien que la maison ne soit plus habitée. Je n'ai rien vu d'excentrique, comme on pourrait en entendre d'un lieu habité par un artiste, et je me suis sentie pénétrée du vague sentiment de familiarité que j'évoquais tout à l'heure. En traversant les pièces qui conduisent à l'atelier, il vient spontanément à l'esprit d'imaginer que cet appartement ne devait pas être tellement différent des autres. Pourtant, tous ceux qui voudraient avoir une activité artistique, Morandi atteignait une vision de la profondeur qui n'était plus une dimension de l'espace, mais une condition ontologique,
à savoir une vision qui pénétrait la nature même des choses. Al centro dello spazio c'è una tavola bassa, al di sotto di quest'ultima c'è un'altra tavola più bassa. Le due tavole sono ricoperte di tubi di pittura vuoti, storti, spesso tagliati al centro, spesso tagliati e spalmati, staccati con lame di coltello. I tubi aperti e quelli ancora nuovi non sono mischiati con quelli che sono sviscerati, svuotati. Sono rotondi, pieni, sani, sodi, come dei frutti non ancora del tutto arrivati a maturazione. Sono messi in modo tale che non si veda l'etichetta che dica il colore. Sono fatti tutti con una lega morbida grigia metallizzata e sotto la capsula sono energeticamente chiusi. In un vaso su questo stesso tavolo ci sono i pennelli. Ci sono 50 pennelli, forse anche 100. Tutti sembrano praticamente distrutti, sono molto ridotti, sono schiacciati, esplosi, anche calvi, tutti duri nella pittura secchi. Sembrano anche comici. Non hanno la tangibilità della pittura nei tubi, né quella dell'uomo che parla. L'espace est grand. À un demi-mur, des vitres. Le ciel est arrêté, bleu. Seul, un nuage blanc, épais, quitte le bleu. Très lentement, il dépasse les vitres, le bleu. Il n'y a pas de livre, il n'y a pas de mots écrits sur un journal. Il n'y a pas de vocabulaire dans le lexique. Tout est parfaitement en ordre. Au milieu de l'espace, il y a une table basse au-dessus de laquelle il y a une autre table plus basse. Les deux tables sont recouvertes de tubes de peinture vides, tordus, souvent coupés au centre, souvent coupés et étalés, raclés avec des lames de couteau. Les tubes entamés et ceux encore intacts ne sont pas mélangés avec ceux qui sont éventrés, vidés. Ils sont ronds, pleins, très sains, très fermes, comme des fruits, pas encore tout à fait parvenus à la maturité. Ils sont mis de telle façon qu'on ne voit pas l'étiquette qui dit la couleur. Ils sont tous faits dans un alliage souple, gris métallisé. Et sous la capsule, ils sont hermétiquement clos. Dans un pot sur cette même table, il y a les pinceaux. Il y a 50 pinceaux ou 100 aussi bien. Tous semblent pratiquement détruits. Ils sont très réduits, ils sont écrasés, explosés, chauves aussi. Tout se raidit dans de la peinture sèche, comique aussi bien. Ils n'ont pas la tangibilité de la peinture dans les tubes, ni celle de l'homme qui parle. On les dirait trouvés dans une caverne. Et au milieu de cet ensemble de choses, il y a un homme. Il est seul. Il porte une chemise blanche, un jean bleu. Il parle. Il montre le long de notre mur des mètres cubes de toile rangées. Il dit que ce sont celles qui sont peintes, celles de l'exposition. Il y en a beaucoup. Elles sont toutes tournées vers le mur. Toute la peinture qui manque dans les tubes est allée sur ces toiles. Maintenant, c'est là qu'elle est, sur les toiles dont elle arrêtait le cours. L'homme parle. Il dit que ces toiles ne sont pas toutes de la même grandeur. On pourrait le croire, mais non, elles sont de formats différents. Cette différence, chaque fois différente, pose un mystérieux problème à cet homme. Quelquefois, on peut mélanger les grandes toiles et les petites toiles. Cette fois-ci, ce n'est pas possible. Il ne sait pas pourquoi, mais il sait qu'il doit en tenir compte. Alors, c'est Marguerite Duras dans Écrire. Et c'est donc, il parle de l'atelier de Roberto Pavé, qui habite à Lausanne. Il est argentin. Voilà. Tout simplement. Bon, ben, très bien. Je vous.
Non, j'avais dit seulement que cet endroit, comme elle a, voilà, comme avait décrit Marguerite Duras, faisait penser à cet endroit. Hmm. Le plafond haut, bleu, les toiles, les murs, les vitres. Hmm. Un homme en jean, une chemise bleue. Après, elle continue, elle dit que oui, il là, parle dans un français. Va te changer. Va te cambiare. Va te cambiare.